Dijon, 9h du matin. À l'heure où tout le monde part au travail, à la caserne, les pompiers sont déjà en ébullition. Un grave accident de la route vient de se produire entre une voiture et le tramway de la ville. Toute la caserne Dijon Nord est engagée avec une quinzaine de pompiers, dont Jean-François, sergent-chef de 55 ans. C'est un accident tramway VL. Il y aurait deux personnes choquées, coincées dans le véhicule. Deux personnes seraient bloquées dans leur véhicule. Mais Jean-François n'a pas beaucoup d'informations. Allez les gars, on y va, on va voir. C'est lui qui dirige l'équipage du VSAV, le véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Le tramway de plusieurs dizaines de tonnes a percuté de plein fouet cette voiture, maintenant coincée entre la rame et un poteau de feu de signalisation. Comment ça va, mesdames? Vous avez perdu connaissance ou pas? Non? D'accord. Il y en a un qui reprend le maintien à tête, là? Conscientes, les deux personnes bloquées sont deux femmes âgées de 78 et 85 ans. Est-ce que vous avez des soucis de santé particuliers, madame? Un AVC, il y a deux ans. Un AVC, il y a deux ans? D'accord. On va vous poser, madame, comme une espèce de minerve autour du cou, ok? Comme pour chaque accident de la route, avec un choc violent, les pompiers immobilisent le cou des victimes avec ce collier cervical pour ne pas aggraver de potentielles lésions au niveau de la colonne vertébrale. Madame, vous avez pas mal à la hanche, tout ça ici, hein? Non, moi je suis bon. Vous pouvez bouger vos jambes, là? Oui. D'accord. La passagère est choquée, mais n'est pas blessée. Et malgré ses problèmes de cœur, elle réussit à sortir par la portière avec l'aide des secouristes. Confinée dans le camion des pompiers, elle sera transportée à l'hôpital pour des examens complémentaires. Mais pour la conductrice, la situation est plus inquiétante. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous pouvez pas sortir. Est-ce que vous avez mal? La ceinture qui m'a fait mal. La ceinture qui vous a fait mal? La douleur à la jambe, c'est suite au choc? Ok. Des douleurs dans le dos? Non. Le tramway a percuté la voiture au niveau de la portière de la conductrice. Touchée au niveau des jambes, impossible de la faire sortir côté passager sans risquer d'aggraver ses blessures, ni de faire reculer le tramway pour dégager sa portière. Encore sous le choc, l'automobiliste a du mal à comprendre comment elle en est arrivée là. Je cherchais le parking 20 000. On cherchait partout, on ne savait plus où il était. Oui. J'ai donné un coup de volant et puis pof, le tramway. Vous l'avez pas vu? Non. C'est rigolo? Ah ben oui. En voulant s'engager sur le passage à niveau, la conductrice n'a pas remarqué le feu clignotant qui annonce l'arrivée du tramway. Le chauffeur de la rame a activé le freinage d'urgence, mais lancé à 30 km/h, le 40 tonnes n'a pu éviter l'accident. C'est vraiment dur au dernier moment. J'ai vu la voiture arriver, j'ai freiné, ça s'est pas arrêté, et puis j'ai glissé, quoi, en fait. Témoin de la scène, cette conductrice suivait le véhicule des deux dames. Pour elle, c'est une faute d'inattention qui a causé l'accident. La dame a tourné quand le tram arrivait, en fait. Elle l'a pas vu. Elle n'a pas cherché à forcer le passage ou quoi que ce soit. Hein. Vous avez eu peur? J'ai eu peur pour elle, en fait. Voilà. Pour elle et pour le tram, le chauffeur, voilà. Pour extraire la conductrice, les pompiers sont obligés de découper le toit de la voiture à l'aide de cette pince hydraulique, capable de cisailler n'importe quel véhicule comme une boîte de conserve. Une opération risquée, car à chaque coup de pince, les éclats de métal ou de verre pourraient blesser la conductrice et les personnes à proximité. Protégée sous une bâche, la dame ne voit rien, mais un pompier continue de lui parler pour la rassurer. Il y a une vitre qui va casser là, madame, c'est normal. Après une douzaine de minutes, la voiture est transformée en décapotable et les pompiers peuvent sortir la dame âgée sans la brusquer. Vers la porte avant, là-bas. Vous forcez pas, on va vous monter tout doucement sur une planche, d'accord? Gardez bien les mains sur vous. Ça me gêne. Gardez les mains sur vous. Dans deux secondes, vous êtes sorti. Allez, vous êtes prêts? Prêts. Soulagés, hissés. Pas moins de 6 pompiers sont nécessaires pour extraire la conductrice. Posez.
Les deux dames s'en sortent plutôt bien car le non-respect d'un feu rouge représente 14% des accidents mortels sur la route en France. La femme témoin de l'accident est restée assistée à toute la désincarcération. Elle veut s'assurer que l'état de santé de la dame n'est pas trop mauvais. Vous êtes prise en charge maintenant, ça va ? Oh ben ça va, hein. Ça va. Tout est allez, gentil, madame. Prenez soin de vous, hein. La conductrice et sa passagère sont évacuées à l'hôpital privé de Dijon pour passer des examens radiologiques. Ils ne révéleront aucune fracture, seulement quelques hématomes et surtout une belle frayeur. Une mission accomplie avec succès pour les pompiers. Au centre-est de la France, en Bourgogne, Dijon et sa métropole regroupent 23 communes qui s'étendent sur 240 km². Sur ce terrain d'intervention entre ville et campagne, les pompiers mènent plus de 15 000 missions par an. Dans 75% des cas, pour porter secours à des habitants en détresse. On part pour une hémorragie sévère, coup de tronçonneuse. Accident de la route. On va le sortir, mais l'accès est difficile. Il y a son bras qui dépasse en dessous, monsieur, là. Assistance aux personnes. Madame, c'est les pompiers, vous m'entendez ? Madame ? Madame ? Urgence vitale. Ah ! Putain de merde ! Là, faut le bouger le moins possible. Oh, c'est horrible. Alors, pour venir en aide à ces 260 000 habitants, la cité des Ducs de Bourgogne et sa métropole peuvent s'appuyer sur un véritable arsenal humain. 360 sapeurs-pompiers répartis dans trois casernes. Ils se relaient jour et nuit, 24 heures sur 24, pour porter secours aux habitants. Pendant plusieurs semaines, à la caserne Nord, nous avons suivi le quotidien mouvementé des équipes qui consacrent leur vie à sauver les nôtres. Essayez de respirer calmement. À 41 ans, Ludovic est sergent-chef à Dijon depuis plus de 20 ans. Père de deux enfants, il a l'art de dédramatiser les situations les plus stressantes, surtout lorsque les victimes d'accidents sont jeunes. C'est comment ça, Alexis, ton prénom ? Et tu habites où, Alexis ? Ah, c'est pas loin de chez moi, dis donc. Florent, 19 ans, est l'un des plus jeunes pompiers professionnels de France. Il vient d'intégrer la caserne Nord de Dijon depuis quelques semaines. Sans expérience, pour lui, chaque intervention est une première. Attention ! Par contre, je glisse la fenêtre. Ouais, tu glisses. C'est bon, elle est coupée, là ! Je vous l'envoie comment ? Fais gaffe quand elle va basculer. Kevin, sergent de 31 ans, est un ancien pompier de Paris. Il fonctionne à l'adrénaline. Ce célibataire a choisi ce métier pour l'imprévu. Le problème de cette intervention-là, c'est qu'il n'y a pas de science exacte. Et le risque qu'elle a, c'est qu'elle ait un plafond qui s'effondre chez elle. Immersion avec ses anges gardiens, au cœur des pompiers de Dijon. Comme dans la majorité des casernes en France, à Dijon, les sapeurs-pompiers réalisent des gardes de 24 heures tous les 3 jours. Un rythme éprouvant, pas toujours évident à concilier avec une vie de famille. Pour tenir le coup, Ludovic, 41 ans, a installé ses deux petits porte-bonheurs dans son casier. Bah là, c'est mes petits loulous, là. Mon petit bonhomme, Maxence, 6 ans, et puis Méline, 11 ans. Ils sont avec moi à la garde, comme ça. La famille, c'est plus important que le travail, et même si on passe beaucoup de temps au travail, il faut qu'elle soit toujours présente avec nous. Mais Ludovic n'a pas le temps de s'attendrir. Une alerte vient de tomber. Il part immédiatement en intervention avec Sylvain, 42 ans, et Camille, 28 ans. Alors, on part pour un enfant de 13 ans qui a chuté en vélo. Donc apparemment, c'est un chemin dans les bois à proximité d'une route. Et il y aurait une belle déformation au niveau du bras. Et l'enfant, il aurait des nausées. Donc ça, on suspecte éventuellement un traumatisme crânien. Ça peut se transformer en urgence vitale. Donc là, il faut qu'on y aille assez rapidement, puisque vu que c'est pas proche de la route, il y aura peut-être besoin d'une équipe spécialisée. Un garçon de 13 ans aurait chuté sur la tête en VTT. Et son bras serait probablement cassé. Mais ce sont les nausées de l'enfant qui inquiètent le pompier. Il y a urgence, une équipe du SAMU a aussi été appelée. Ludovic, père de famille, est toujours un peu tendu en partant sur ce type de mission. Et forcément, une intervention avec un enfant, ça touche un peu plus. On est, pour la plupart d'entre nous, on est des parents, donc ça nous affecte davantage, quoi. L'accident s'est produit à 10 km de la caserne, en pleine campagne, lors d'un entraînement de VTT d'un club de la région.
le petit groupe d'une dizaine d'enfants attend les secours au bord de la route. Bonjour. C'est là-bas, au fond du chemin, là. D'accord, bon, c'est pas carrossable. Problème, le chemin est boueux et le camion des pompiers risquerait de s'enliser. Ludovic et son équipage n'ont pas le choix. Ils doivent finir les 400 mètres à pied pour rejoindre le jeune blessé. Bonjour. Bonjour. Comment ton prénom ? Alexis. Alexis ? Ça va, tu te rappelles de ce qui s'est passé ? Oui. Ouais ? J'ai glissé mon bras. Alors essaye de pas trop bouger si tu peux. Ce stress bras-là, ok. Oui. Est-ce que vous avez son casque de vélo, s'il vous plaît ? Je regarde s'il a été cassé par rapport au choc. L'enfant est conscient, mais la priorité pour Ludovic est d'évaluer la violence du choc. Je regarde au niveau du casque, la tête a tapé. Non, il n'y a pas de trace d'impact flagrant. Le casque n'est pas cassé. Le traumatisme crânien serait écarté. Mais les dommages corporels lors de l'accident de deux roues sont souvent très graves et peuvent cacher des lésions internes. Alors les pompiers prennent le temps pour examiner Alexis, 13 ans. Et est-ce que t'as mal là aux jambes ? Nulle part ? Le pied, t'arrives à le bouger ? Oui. Ok, elle aux jambes ? Ok, ça marche. T'as mal donc au bras. Tiens-lui. Seul l'avant-bras d'Alexis serait cassé. Mais la déformation du membre est impressionnante, synonyme d'un déplacement osseux important. Tu peux pas y tenir le coup d'avant, parce qu'il va... Ça t'a tout bien fait. Alexis souffre. Mais les pompiers n'ont pas de médicaments pour le soulager. Alors, dans l'attente du SAMU, Ludovic questionne le jeune garçon pour détourner son attention et lui faire oublier ses douleurs. Et tu habites où, Alexis ? Ouais, tu vois le bon. Sainte-Marie ? Sur Rouge. Ah, c'est pas loin de chez moi, dis donc. Bah, je vais au collège à Saint-Bernard. Tu vas au collège à Saint-Bernard ? D'accord, bah, je te verrai au collège. Et après 5 minutes d'attente, l'équipe du SAMU de Dijon arrive en véhicule tout terrain. Bonjour, docteur. Bonjour. Il a fait une belle gamelle à la suite de la descente. Là, apparemment, le vélo, quoi, son bras a tapé. Plainte principale, bien désaxé. On ne l'a pas bougé pour le moment. On va le réaxer. On a une attelle de bras éventuellement. Ouais, ouais, l'attelle était prête, on vous attendait. Du coup. Excuse-moi, mon grand, tu m'entends ? Moi, j'ai pas la barque. Ça va, ça te fait mal, là ? Un petit peu. Un petit peu, oui. Oui. La priorité, c'est surtout de calmer sa douleur pour lui remettre la fracture dans l'axe. Pourquoi il faut réaligner ? Parce que vous avez déjà vu un bout d'os cassé, ça coupe, donc ça peut couper des vaisseaux ou des nerfs. Et c'est ce qu'on essaie d'éviter en alignant au maximum. Ça peut être irréversible. Si ça coupe un nerf, si la prise en charge n'est pas rapide, c'est un déficit irréversible, en effet. Ouais. Si les nerfs sont touchés, Alexis pourrait perdre l'usage de sa main. Alors, pour éviter le pire, après lui avoir administré des antidouleurs par voie intraveineuse, le médecin doit remettre en place les os de l'avant-bras, sur place, en pleine forêt. Ouais, on mettra ça derrière. Voilà, ça va bien, d'accord. Souffle. L'opération est douloureuse. L'urgentiste doit tirer sur le bras d'Alexis pour réaligner les os. Voilà, c'est fini, il va tomber les mains sur la tête, c'est terminé. Hop, t'arrives à serrer ma main là, Alex ? Serre là, Alex ? Ok, super. Ok, on a un petit débauche de mouvement. C'est rassurant, ça, Doc ? Pour l'instant, on pourrait espérer que les nerfs ne soient pas lésés, mais voilà, c'est les examens qui nous le diront, et puis surtout l'évolution. Alexis doit maintenant être transporté à l'hôpital pour passer des examens en urgence et vérifier que les nerfs de son bras ne sont pas sectionnés. Mais problème. Le camion des pompiers n'est pas adapté pour rouler dans les bois. Alors, pour évacuer le jeune garçon, les secours font appel à une unité spécialisée. Le GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Cette unité est capable d'évacuer des blessés dans les milieux dangereux et difficiles d'accès. Là, t'as mal ou pas ? Là, j'ai mal. Là, t'as mal ? Bon. Et là, ça va ? Là, c'est bien. Ok, et bon, on va rester comme ça alors, si c'est bien. Pour transporter Alexis sans aggraver sa blessure, le véhicule tout-terrain est équipé d'un système de brancardage suspendu très ingénieux dans le coffre. C'est bon. Ça évite en fin de compte que la victime soit trop secouée dans les passages délicats et elle reste bien à l'horizontale. C'est des sangles et on a suspendu la civière dans le vide pour éviter que la victime ressente les secousses du chemin et tous les défauts que l'on a au niveau du sol. C'est bon ? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Alexis peut maintenant être évacué de la forêt en toute sécurité. Et au moment de l'installer dans l'ambulance... C'est la maman du petit. Bonjour. La maman d'Alexis
alertée par les secours, a rejoint son fils. Elle veut le rassurer. Attends, maman. Alexis sera transporté en urgence au CHU de Dijon pour passer des examens complémentaires de son bras. Aucune rupture de nerfs. Le jeune garçon retrouvera l'usage de sa main sans séquelles. Mais il devra porter un plâtre pendant 6 semaines pour consolider la double fracture de son avant-bras. Pour les sapeurs-pompiers, la journée est loin d'être terminée. En ce début d'année, la moitié nord de la France est touchée par des épisodes venteux importants. Dijon n'est pas épargné. Depuis 48 heures, le département de la Côte d'Or est en vigilance orange. Et ce matin, les pompiers de Dijon viennent justement de recevoir un appel. Une antenne menace de tomber du toit d'une habitation. La sécurité des riverains est en jeu. C'est le sergent-chef Sylvain, 42 ans, qui dirige cette nouvelle mission. Le vent a soufflé relativement assez fort. Il y a des vents à plus de 100 km/h toute l'année. Ça fait du dégât ? Ça fait du dégât, pour le moment que des dégâts matériels, en espérant qu'on n'ait pas, soit pas confronté à des dégâts humains dans la journée. Avec ses 24 ans d'expérience, Sylvain est déjà un ancien de la caserne. Et ce matin, il est accompagné d'un tout jeune pompier, Florent, 19 ans, à côté de Maxime, le conducteur. Donc on part objet ou matériaux menaçant de tomber à Montchappé, Florent. Ok ? On venait vigilant. Florent, tu monteras sur le toit, on verra la configuration de la maison. C'est une première pour Florent. Il vient tout juste d'intégrer la caserne. Et c'est lui qui aura la lourde tâche de retirer l'antenne de toit. Le trait sera à droite. Tiens, là, voilà. Elle est là, l'antenne. Une mission à première vue anodine, qui va se révéler des plus périlleuses. L'antenne est suspendue dans le vide, à quelques centimètres des câbles électriques. Bon, on n'est pas très très haut, simplement c'est qu'on a les câbles EDF juste à proximité. Qu'on fasse attention. Les câbles électriques du réseau urbain peuvent atteindre jusqu'à 1000 volts. Et avec les rafales de vent, si l'antenne métallique touche les fils, les pompiers risquent l'électrocution. Bonjour madame. C'est la propriétaire de la maison qui a alerté les pompiers. Vous avez un accès non sur le toit? Non, vous n'avez pas d'accès de l'autre côté. Sans accès direct à l'antenne depuis l'habitation, les pompiers sont obligés de monter sur le toit par leurs propres moyens. Et c'est le jeune Florent qui a pour mission de grimper à plus de 8 mètres de haut. C'est la première fois que vous allez décrocher une antenne? Oui, une antenne, ouais, c'est la première fois. Ouais. Ouais. Une antenne, ouais. Je suis déjà monté sur un toit, mais pas pour une antenne. Sylvain, son chef, sait que ses interventions ne sont pas si simples. Il redoute l'électrocution de son jeune collègue. Fais attention en la rabattant, pas toucher les fils électriques. Logiquement, ça risque rien. Mais tu t'approches pas du fil électrique, d'accord? Okay. Mais ce ne sont pas les seuls risques pour Florent. La toiture est pentue à 45 degrés. Et les averses de la nuit rendent les tuiles extrêmement glissantes. Vas-y. Par contre, je glisse le frein. Ouais, tu glisses. Alors reviens en arrière. Prends pas de risque, c'est pas la peine. Le jeune pompier n'a pas encore tous les bons réflexes. Mais Sylvain le guide à chacune de ses étapes. Voilà, tu mets ton pied pour t'assurer, là, tout de suite. Je le mets directement là. Ouais. La progression est lente, mais après 10 minutes d'ascension, Florent atteint enfin l'antenne. Il doit la détacher, mais cela s'avère plus compliqué que prévu. Fais gaffe quand ça tombe, de pas que ça t'arrache pas le genou. Ok, reçu. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça peut pas couper, mais je sais pas. Attention! C'est bon, elle est coupée là! Fais gaffe quand elle va basculer. Attention au câble EDF. T'as vu, c'est lourd, hein? Ah ouais. Suspendue dans le vide, l'antenne de 3 mètres de long et de plus de 40 kg ne tient plus qu'à la force des bras du jeune pompier. Un faux mouvement et elle pourrait toucher les câbles et électrocuter Florent.
te casse pas le dos quand tu vas la faire basculer. Je vous l'envoie comment? Tu l'as fait glisser tout doucement. C'est à bout de bras que le jeune pompier réussit à relever le récepteur et éviter l'électrocution. Personne n'est en dessous? Là, ok. Voilà, vas-y, tout doucement, fais gaffe à l'enduit de la baraque. Voilà. Au bout de 45 minutes d'effort, l'antenne est déposée et le danger est écarté. Pour Florent, cette mission sur le toit est une réussite personnelle. Oh, c'est une bonne intervention, ouais, ça. Plaisir. Plaisir. Hein, c'est première, mais bien. Comment il a été ? Impeccable. Il va apprendre, il va prendre de l'assurance au fur et à mesure. On grandit, on apprend en suivant les conseils des autres. Voilà. Vous vous souviendrez de cette intervention ? Ah ouais, voilà, oui. Ouais, je m'en souviendrai. Une première marquante pour Florent et une propriétaire rassurée après l'intervention des pompiers. Quand on ne sait pas qui appeler, on appelle les pompiers. Et je me suis dit qu'avec la tempête, c'était certainement ça. Je suis très étonnée de la rapidité avec laquelle ils sont venus. Étonnée dans le bon sens. Non, mais parce que je pensais que, voilà, c'était pas non plus une urgence vitale. Eh ben go, en avant. La propriétaire a bien fait d'appeler les secours. Le 18 ou le 112, ces numéros constituent souvent le premier réflexe en cas d'urgence. À Dijon, tous les appels du département sont réceptionnés ici, au CTA, le centre de traitement de l'alerte. Les pompiers, j'écoute. 24 pompiers se relaient jour et nuit pour répondre aux détresses des habitants. Qu'est-ce qui vous arrive, madame ? Calmez-vous. Vous êtes sûr qu'elle respire pas ? D'accord, et vous vous êtes blessé à la main, c'est ça ? Ok, est-ce que vous avez perdu connaissance ? En moyenne, 500 appels sont traités ici par jour. Gros accidents de la route, problèmes cardiaques et accidents domestiques, ces opérateurs doivent faire face à toutes les situations. Les pompiers sont partis, ils arrivent, hein. Oui. À 31 ans, Pierre-Yves traite chaque jour plus de 120 appels, des plus urgents aux plus anodins. Les urgences pompiers, j'écoute. Allô ? Allô ? C'est un pocket call. C'est quoi ? C'est un appel infructueux, en fait, le téléphone qui se déclenche tout seul dans la poche. Et c'est plus de 100 par jour, donc ça demande du temps à traiter, ouais. Ouais, c'est encore lui. Ouais, ça fait 4 fois qu'il appelle. Donc nous, on va essayer de laisser un message sur le répondeur, et puis quand la personne aura le message, on pourra couper son téléphone. Ce type d'appel encombre le standard. Mais les pompiers doivent toujours rester vigilants, car certains signalements à première vue anodins peuvent se révéler de la plus haute importance. C'est le cas de cette nouvelle alerte. Direction le secteur sauvegardé du centre-ville de Dijon, un quartier où se marient des bâtiments architecturaux classés et des immeubles très vétustes. Bonjour. C'est cette jeune femme de 22 ans, Chloé, qui a donné l'alerte. Depuis 2 jours, elle est victime d'une fuite d'eau dans son appartement. Ouais, mais on va regarder. La jeune fille est un peu gênée d'avoir appelé les pompiers pour une simple fuite. Mais Kevin, sergent de 31 ans, va vite se rendre compte qu'elle a très bien fait. Venez, passez devant, on vous suit. Il est accompagné de Maxence et Lorraine. L'appartement de la jeune femme se situe au 4e étage. Vous voyez, c'est pas... C'est au bout à bout, quoi. C'est ça. Vous avez uniquement cette pièce qui est concernée ? La fuite provient du plafond dans l'entrée du logement. En apparence, un petit goutte à goutte. Mais en 48 heures, Chloé a déjà récupéré plusieurs bassines d'eau. Et un détail l'a poussé à alerter les pompiers. En fait, ce qui m'a fait peur, c'est que le plafond a fissuré dans la nuit. Oui. Du coup, ça m'a un petit peu fait peur. Donc j'ai préféré appeler les pompiers, même si c'est pas grand-chose. Le plafond en plaque de plâtre est imbibé d'eau. Maxence plante son couteau pour mesurer la gravité des dégâts. Le plafond est mort. Ce qui risque de se passer, c'est le placo qui risque de tomber. Le sinistre s'avère bien plus important que prévu. Kevin veut stopper à tout prix cette fuite, qui pourrait créer des dégâts irréversibles sur la structure du bâtiment. Alors les pompiers sont obligés de casser le faux plafond pour trouver l'origine du sinistre. Une opération qui peut prendre des heures. Le problème de cette intervention-là,
c'est qu'il n'y a pas de science exacte, donc c'est un petit peu des faux petits bonheurs, la chance. Tiens, regarde, là. C'est quoi qui fuit? Regarde, d'où ça vient? Ah, mais ça vient. Ouais, mais c'est du toit. Tu sais ce que c'est, là, juste en dessous, là? Bah, au-dessus, c'est l'appart. C'est l'appartement. La fuite proviendrait de l'appartement du dessus. Mais problème, le locataire s'est absenté pour plusieurs jours. Au vu du danger, sur les conseils de Kevin et en accord avec le locataire du dessus, Chloé décide de faire appel à un serrurier pour ouvrir la porte. Merci. Lorsque les pompiers entrent dans l'appartement, surprise. C'est pas mouillé dans la cuisine, non? Là, c'est sec aussi. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune trace de fuite. Mais Kevin et le serrurier ont remarqué cette planche de contreplaqué dans la salle de bain. Là, on a le chauffe-eau, là. Il a déjà l'air regardé. Oui, c'est celui-là qui est fissuré. Il a pété. La fuite est trouvée, mais l'eau s'écoule depuis plusieurs jours et elle a fragilisé le plancher. Là, c'est tout pourri, il est en train de s'effondrer, le chauffe-eau. Mais là, c'est dangereux en dessous. Oh. Ah ouais, sérieux. Bah, il fait 100 litres, hein, il y a 100 kilos là-dedans. Le chauffe-eau de plus de 100 kilos menace de traverser le plancher et peut tomber à tout moment dans l'appartement de Chloé. Pas de temps à perdre pour Kevin, qui demande du renfort. Donc on a trouvé la fuite d'eau, on fait venir le SD pour qu'il fasse un étayage correct. Le SD, c'est l'équipe de sauvetage déblaiement des pompiers. Cette unité est spécialisée dans la recherche de personnes lors de catastrophes naturelles comme des séismes. Bonjour, ça va ? Ça va ? Oui. Mathieu est le chef d'agré de ce 26 tonnes. Avec ses deux collègues, il dispose de tout le matériel nécessaire pour la sécurisation des bâtiments. Là, on met un étai. Là, on cale avec la poutre du plancher. Et puis là, on met deux étais, un étai là et là, on cale. L'unité spéciale transforme les parties communes de l'immeuble en atelier de menuiserie. Mathieu et ses collègues préparent des étais, ces grandes tiges métalliques, capables de soutenir plus de 250 kg chacun. On va en positionner deux, donc on sera sur du 500 kg. Pour la charge du cumul, on est largement suffisant. Et ensuite, on va caler sur les deux autres extrémités du pied. Donc là, on est large. L'intervention est impressionnante. Chloé et son ami n'imaginaient pas retrouver leur appartement dans cet état. Ça nous rassure. C'est vrai, oui. Vous rendez compte que vous auriez pu prendre ça sur la tête? Ouais, bah maintenant, ouais. Parce qu'avant, on savait pas ce que c'était. Donc maintenant qu'on a vu, ouais, on se rend bien compte. Et heureusement, je pense qu'on les a appelés pour le coup. Au final, les pompiers ont installé trois étais pour sécuriser le ballon d'eau chaude, transformant le hall d'entrée en véritable chantier. Mais Chloé préfère le prendre avec le sourire. On va garder la déco comme ça? C'est pas mal. Il n'y a plus qu'à mettre des guirlandes, là, tout, c'est chouette. C'est ce qu'on s'est dit juste. Chloé et son ami devront vivre avec cette installation plusieurs semaines, le temps des travaux de réparation. Et en plus, ils vous font le ménage. Ouais, c'est pas beau, ça. Bon, ouais, vous appelez plus souvent, hein. L'an dernier, les pompiers de Dijon ont réalisé plus de 400 missions pour des fuites d'eau en habitation. Bon courage, bonne soirée. Merci beaucoup. Kevin et ses collègues repartent après plus de 4 heures d'intervention. Il est 18h30. La nuit commence à tomber sur la caserne. Cela fait déjà 11 heures que les pompiers ont commencé leur garde. Pour reprendre des forces au milieu des interventions qui s'enchaînent, rien de mieux qu'un bon repas. Si fréquemment chacun apporte sa gamelle, une fois par semaine, ils préparent un dîner tous ensemble. Et ce soir, c'est Florian, adjudant de 39 ans, le chef cuisinier. Les oignons, on les fait revenir avant, quoi. Ouais, je les fais un peu sucrés, moi. Au menu, sa spécialité. Le Fireburger, le burger du feu. Une recette explosive. Il y a une sauce époisse, steak, vous avez des oignons, encore du fromage, du bacon, et on met du fromage avec encore du bacon, et on met ça au four, voilà. Et avec des frites. Ils aiment ça? Ah, ils adorent ça, ouais. Tout le monde met la main à la pâte. L'équipe des pompiers se transforme en brigade de cuisine.
et le chef Lorient veille au grain. Le colson, il me plaît, moi. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Faut étaler les oignons comme ça dans le fond du burger. Ouais. Les steaks, après, on rajoute. Ensuite, cheddar. Après, on mettra les tomates. Le bacon par-dessus. Ça va, ils sont bien, là. Ils sont bien. C'est une bonne équipe, là. Bah, chacun à sa place. Tout le monde a ses missions. Ça va très bien. Ça va très bien. Même ceux qui n'ont jamais touché une casserole chez eux sont prêts à jouer les commis de cuisine à la caserne. Une heure après. Moi, je dis à ma femme, quand j'ai les bons ordres, bah, j'arrive à faire à manger quoi. Mais ce que redoutent le plus les pompiers dans ces moments-là, c'est de ne pas pouvoir déguster ce qu'ils viennent de préparer. Ça, c'est le meilleur moyen pour faire une intervention. C'est-à-dire, quand tu cuisines comme ça, c'est sûr que le bip, il sonne. C'est la hantise ? La hantise, non. C'est vrai que ça casse un peu les pieds d'avoir cuisiné pendant une heure et demie, d'avoir salivé, mis l'eau à la bouche et ensuite partir en intervention pendant que le truc il est chaud dans l'assiette. Ce soir, les pompiers auront de la chance. Allez, gars, le fire est prêt. Ils vont pouvoir déguster tranquillement les fameux burgers sans être dérangés. Au menu, coleslaw, burger et un cookie en dessert. Les pompiers ont pu reprendre des forces tous ensemble pour pouvoir attaquer de front les prochaines interventions. Même si ça a été calme pendant 2-3 heures, qui dit que ça ne va pas s'affoler les 3 heures qui arrivent. Après, ça peut s'affoler, on a le ventre plein. Mais la pause dînatoire ne va pas s'éterniser bien longtemps. Il est 22 heures quand les pompiers reçoivent une alerte. Un grave accident de la route vient d'avoir lieu en ville. Un incarcéré, 4 victimes. Il y aurait plusieurs victimes, dont une qui serait emprisonnée dans son véhicule. Les 3/4 de l'effectif de la caserne sont mobilisés avec 3 véhicules, dont le VSR, le véhicule de secours routier, prévu pour les désincarcérations. À l'intérieur, 5 pompiers. Vas-y, vas-y, roule. Je pense que c'est la tête à l'accès, si tu peux. Dont Cédric, 41 ans, chef d'agré de l'équipage. A priori, une voiture qui est sur le côté, un incarcéré. Il y a 4 personnes qui sont blessées, qui sont conscientes. C'est grave ? Pour l'instant, c'est pas plus. J'ai pas plus de précision. Comme souvent dans les accidents, les pompiers ont peu d'informations au départ de l'alerte. Et cette fois-ci, ils ne vont pas être au bout de leur surprise. L'accident a eu lieu à un carrefour tristement connu des pompiers pour sa dangerosité. Ok, c'est ici. Oh putain. Bon les gros, allez, on est parti. L'accident est impressionnant. Tu m'entends ? Deux voitures sont impliquées, dont une qui a terminé sa course sur le flanc. Il y a combien de personnes dedans ? Une. Il y en a 3 qui sont sortis avant. D'accord. Donc on arrive. Une personne, lui, est incarcérée ? Il est plus coincé qu'incarcéré. Un refus de priorité serait à l'origine de l'accident. Au total, 5 personnes sont impliquées. Dans la voiture noire, un conducteur, seul, indemne. Et dans la voiture Bordeaux, 4 personnes, dont 3 passagères, sorties d'elles-mêmes avant l'arrivée des secours. Elles sont légèrement blessées. Mais le conducteur, lui, est encore à l'intérieur. Son bras inanimé sort de la carcasse du véhicule. Il y a 2 ventolines ? Laissez-moi. Tu peux voir le médecin, Eric ? Parce que le monsieur, il a besoin de ventolines. L'homme est conscient. Il serait asthmatique et a du mal à respirer. Mais ce n'est pas le plus inquiétant pour les pompiers. On a une douleur d'eau, on a une douleur au bras gauche. Et au niveau des jambes, vous sentez là que je vous touche ? Oui. Ouais. Il commence à trembler, est-ce qu'il y a une bâche pour le protéger ? L'homme a mal au dos et au thorax. Il ne peut plus bouger. Au vu de la violence du choc, les pompiers craignent des lésions internes. Il faut donc extraire au plus vite le blessé du véhicule. Mais l'homme est coincé à l'intérieur. Pas le choix. Il va falloir découper la voiture. Et c'est Cédric qui dirige cette mission.
On va le sortir, mais l'accès est difficile. C'est-à-dire ? Parce qu'il est pris derrière, que les prix, il y a son bras qui dépasse en dessous, monsieur, là. Oui. Il est pris en dessous, donc il faut qu'on fasse un demi-pavillon, on va essayer de faire ce qu'on peut pour le sortir, dans un premier temps. C'est compliqué, une voiture comme ça, là. Ah, c'est assez compliqué, quand l'accidenté comme ça, c'est compliqué. Cédric veut découper le toit du véhicule pour accéder aux blessés. Mais dans l'accident, la voiture a percuté ce poteau de feu tricolore qui menace d'électrocuter les pompiers. J'essaie de voir si on peut couper le courant sur le poteau. Pourquoi c'est dangereux ? Bah oui, il peut y avoir du courant qui remonte au-dessus du poteau et mettre du courant sur toute la voiture, la carrosserie de la voiture. Et électrocuter la victime ? Entre autres, oui. Après avoir débranché l'électricité, l'équipage de Cédric peut commencer la découpe du véhicule en toute sécurité. C'est bon, il est coupé. En moins de 10 minutes, les pompiers libèrent le blessé de son sarcophage en tôle. Ça va, monsieur ? Ils peuvent maintenant l'extraire, mais l'opération n'est pas si simple. L'homme se plaint du dos. Un faux mouvement au niveau de sa colonne vertébrale pourrait le paralyser. Allez, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de mettre en plan dur. Derrière, c'est une planche. Regarde, une planche qui arrive. Le but, sortir le blessé en maintenant son corps de la tête aux pieds, bien droit. C'est bon pour tout le monde ? Prêt. Plan dur, prêt. Prêt. Attention pour lever, lever. Au revoir, Max. Halte, posez. Attention pour lever, lever. Allez, on envoie. Halte. Et on pivote. Attention pour pivoter. C'est bon. Pivoter. Bon, allez. Allez, c'est quoi qui te fait mal hein ? La bouche. 10 pompiers sont nécessaires pour sortir l'homme de son véhicule et le transporter dans l'ambulance du SAMU pour être examiné en urgence par le médecin. C'est moi qui fais mal ? Oui. L'homme se plaint d'une douleur thoracique côté gauche et au stéthoscope. Le médecin détecte un crépitement dans ses poumons, qui n'est pas bon signe. Il y a probablement un pneumothorax. C'est-à-dire ? De l'air entre les côtes et le poumon. Ça peut venir du traumatisme lui-même, ça peut venir d'une plaie à l'intérieur du poumon, ça on peut pas le savoir, c'est trop tôt. C'est une urgence vitale. D'accord. C'est une urgence vitale, oui. Le médecin soupçonne une perforation du poumon gauche. Ce qui expliquerait les difficultés de l'homme à respirer. Il est placé immédiatement sous oxygène. L'infirmière lui pose une voie intraveineuse pour lui administrer des antidouleurs. L'homme est transporté au CHU de Dijon pour passer un scanner en urgence. Et après quelques minutes d'examen, le bilan est étonnamment positif. Pour l'instant, je vois rien. Je ne vois pas d'air dans le tissu, c'est plutôt rassurant. Il n'y a pas de pneumothorax, surtout là sur la première image. Les pompiers qui ont transporté le blessé ont pu rester assistés au scanner. Lilian faisait partie de l'équipe qui a extrait l'homme de son véhicule. Pour lui qui a l'habitude des accidents de la route, l'homme est un miraculé. Il a de la chance, il dépasse son soin, il s'en sort bien. Tant mieux, c'est une bonne chose. Au final, les 5 personnes impliquées dans l'accident sont indemnes et s'en sortent avec quelques hématomes. Une chance, car les accidents de la route, pour refus de priorité, sont la 3e cause des accidents mortels en France. À la caserne, pour les pompiers, les moments de détente sont rares. Alors quand l'activité diminue, ils s'accordent des petites pauses. À chacun son exutoire. Séance de sport pour les uns, billard pour les autres. Et pour les plus jeunes comme Florent, c'est babyfoot. C'est à décompresser au retour d'intervention. Ça change un petit peu, c'est amical. Ils sont pas très forts en face. Ouais, c'est entre nous, c'est la cohésion. Vous arrivez à finir les parties ? Ah, pas souvent. C'est-à-dire ? Oh bah souvent on est appelé avant. Oui, ouais, toujours pas. Et cette partie de babyfoot ne va pas déroger à la règle. Ah bon bah voilà une partie qui va pas se terminer. Florian et ses collègues doivent partir en intervention. Personne blessée, restez au sol.
c'est Joël, sergent de 45 ans, qui dirige cette nouvelle mission. Alors, salle d'escalade, suite à chute d'environ 8 mètres, homme de 30 ans, douleur dos et cheville, diabétique. Ok, reçu. Un homme est tombé d'un mur d'escalade de 8 mètres de haut. Pas de temps à perdre pour Joël et son équipage. Une chute de cette hauteur peut être mortelle. Une personne qui a chuté de 8 mètres, en plus qui faisait de l'escalade, oui, c'est grave. On ne sait pas comment elle a atterri. Donc nous, on va voir sur place. À l'arrivée des pompiers, une équipe du SAMU est déjà sur place. L'homme victime de la chute est au sol. Il est conscient, mais ne peut plus se lever et gémit de douleur. Putain de merde. Il se plaint des membres inférieurs et sa jambe droite est couverte de sang. Pour soulager au plus vite le blessé, l'infirmière lui pose une perfusion en urgence. Je prépare les drogues pour l'anesthésier un peu, pour plus qu'il ait de douleur pendant qu'on va manipuler un peu sa jambe. Oh, c'est horrible. Les pompiers découpent les vêtements du blessé pour permettre au médecin urgentiste de l'examiner. C'est bon pour la chaussure est enlevée. Les blessures témoignent de la violence du choc. Le diagnostic est sans appel pour le médecin du SAMU. Alors, le monsieur, il a une double fracture de jambe à mon avis. Là, je regarde juste si le sang il passe bien, qu'on n'ait pas d'autres urgences ou quoi. Si l'urgentiste veut vérifier que le sang circule bien au niveau du pied du trentenaire, c'est qu'il redoute que les os aient sectionné les artères de la jambe, ce qui pourrait conduire à une amputation. J'ai du mal à le sentir sous le pouls. Il y a une urgence en plus, c'est-à-dire qu'il faut rapidement aller au bloc opératoire pour libérer l'artère et qu'il ne perde pas tout simplement sa jambe. Il faut absolument qu'on lui mette la telle, les gars. Le médecin sent bien un pouls, mais il est faible. C'est le déplacement osseux qui obstrue les artères. Alors pour libérer la circulation sanguine, le médecin demande aux pompiers de réaligner les os de la jambe sur le champ. Florent est en charge de cette délicate manœuvre. Il doit tirer doucement sur la jambe cassée pour réduire les fractures. Une première pour le jeune pompier de 19 ans. L'opération est extrêmement douloureuse pour le blessé. Mais Florent garde son sang-froid et réussit à réaligner les os de la jambe. Ok. Le trentenaire est tombé de ce mur d'environ 8 mètres, ce qui correspond à une chute du troisième étage d'un immeuble. Le médecin redoute des lésions internes, alors il examine les organes vitaux à l'aide de cet échographe portable. Là, je fais ce qu'on appelle une fast écho pour voir s'il y a du sang dans l'abdomen. Le monsieur, il y a un petit peu d'épanchement. Je pense qu'il saigne un petit peu dans l'abdomen. Allez, on y va. Plus de temps à perdre. Selon le médecin, le blessé est en train de faire une hémorragie interne. Les pompiers doivent le transporter d'urgence à l'hôpital. Mais au moment où Florent tente d'allonger la jambe gauche du blessé... Vous avez mal où, monsieur, là? Ça vous fait mal où? Au pied? Le sportif se plaint du pied gauche. Pourtant, pas de fracture apparente. Mais en retirant sa chaussette... L'articulation de son pied gauche est déboîtée. Avec toutes ces blessures, les pompiers vont devoir prendre toutes leurs précautions. Là, faut qu'on le bouge le moins possible et le transporter le plus vite possible. Pour lever. Tu me dis devant, je vois rien. Ouais, c'est bon, je soutiens. Direction le CHU de Dijon, à 5 minutes de voiture, où l'homme est attendu en urgence pour passer un scanner. Levez. Posez. La tension est palpable. Tout le monde retient son souffle, même les pompiers, restés pour assister à l'examen. C'est important pour vous de voir aussi les examens, tout ça? Alors, nous, on voit effectivement s'il y a une fracture, s'il y a une lésion quelque part, et du coup, nous, ça nous conforte aussi dans notre diagnostic, voir si on a fait une erreur ou pas. Ouais.
Pour le médecin qui soupçonnait une hémorragie interne, les images du scanner sont plutôt rassurantes. A priori, il n'y a pas de lésion grave. Et là, il n'y a plus d'urgence vitale ? Pour moi, non. Mais il y a une urgence à traiter les fractures, par contre. Parce que c'est des fractures ouvertes, donc à gros risque d'infection et de saignement. Aucun organe vital n'a été touché, ni même la moelle épinière. Mais les lésions orthopédiques sont importantes. Une double fracture tibia-péronée de la jambe droite. Une fracture lombaire au niveau du dos. De luxations à la cheville gauche au pouce droit. Et de multiples fractures aux pieds. Pour le médecin urgentiste, le blessé a une bonne étoile. La chance qu'il a eue, je pense, c'est d'atterrir sur ses deux pieds. Parce qu'en fait, les fractures ont permis d'absorber le choc. Et puis, il serait tombé tête première, il a été mort, c'est sûr. Depuis le début de l'intervention, Florent est au chevet du blessé. Et maintenant que l'homme est tiré d'affaire, le jeune pompier veut comprendre les conditions de l'accident. Vous étiez tout seul, il n'y a personne qui vous assurait en bas, vous étiez tout seul. J'étais tout seul. D'accord. Sans du blessé des grands. Et j'ai oublié de mettre l'enrouleur. La moitié de la voie, j'ai chuté. On va faire le maximum pour réparer tout ça. Et puis voilà. Ah, vous inquiétez pas, c'est normal. Le blessé subira deux opérations de plusieurs heures pour consolider sa vertèbre lombaire et ses deux jambes. Il devra rester plusieurs mois en rééducation pour pouvoir remarcher normalement. Dans son malheur, il a eu de la chance. Avec plus de 9000 décès par an, les chutes sont la première cause de décès accidentels en France. Retour à la caserne pour Florent et ses collègues. Le répit ne sera que de courte durée. Cette fois-ci, les pompiers sont envoyés sur une nouvelle urgence en pleine campagne, dans une commune à 12 km de la caserne. C'est Ludovic et Anthony qui sont en charge de cette mission. On part pour personne ne répondant pas aux appels à Velleur-sur-Ouche. Apparemment, il n'y a personne qui répond à la téléalarme depuis plus d'une vingtaine de minutes. Une femme de 79 ans ne répond plus à son téléphone. C'est une société de téléalarme qui a alerté les pompiers. C'est les personnes âgées généralement qui vivent toutes seules, qui sont équipées de téléalarme à domicile. Et ils ont un petit bracelet ou un collier avec un petit bouton là d'alerte. Et généralement, quand ils sont en détresse, ben, ils appuient sur ce bouton-là. Et la téléalarme, elle rappelle le téléphone qui est dans la maison. Et là, apparemment, personne ne répond lors du contre-appel. Le silence radio de la vieille dame inquiète Ludovic. Il y a urgence. Elle est peut-être en détresse chez elle. On ne sait pas comment est la personne. Si elle a déclenché, elle peut faire un malaise cardiaque. Chaque minute de retard, on diminue les chances de survie de la victime. Donc il faut qu'on aille quand même assez vite. Ludovic et Anthony arrivent en moins de 10 minutes sur les lieux de l'intervention. Là, c'est là. Oui. Parfait. Suivi d'un équipage d'un VSAV, un véhicule de secours et assistance aux victimes. Les pompiers démarrent leur investigation. Madame, c'est les pompiers, vous m'entendez ? Fais le tour, c'est fermé, là. Madame ! Là, il y a la chambre, le lit, il n'est pas défait. J'ai rien en visuel de ce côté-là. T'as quelque chose, toi, là-bas ? J'ai rien vu. Je sais pas si je pourrais pas y arriver sans casser, là, celle qui est au bout, là. Tous les accès à la maison sont fermés à clé. Pas le choix. Anthony doit casser un carreau pour entrer dans le pavillon. Madame ! Ludovic et ses collègues se mettent à sa recherche. Madame ! Aucune pièce n'est négligée. Les pompiers regardent dans tous les recoins. T'as allé sous le lit ? Non, je suis pas regardé sous le lit, non. Même dans les lieux les plus insolites. On cherche partout parce qu'on a déjà retrouvé quelqu'un caché dans un clic-clac quand même. Ah, c'est pas des conneries. Madame, il y a quelqu'un ? Mais aucun signe de vie à l'intérieur du logement. Alors ça se peut qu'elle soit aussi tombée dans le terrain, on va aller faire un petit tour, faut qu'on regarde, faut qu'on la trouve. Je fais le tour dans le terrain, moi. Madame ? Là non plus, pas de traces de la septuagénaire dans le jardin. Quand soudain, Ludovic se fait interpeller par le voisin. Oui. Vous l'avez aperçu où, monsieur ? Au point arrière, juste à côté, là. Et c'est une dame qui est véhiculée, elle conduit d'habitude ou pas ? Oui.
temps en temps encore, malgré son... D'accord. Et sa voiture, elle... Petite Citroën noire, elle est toujours là. Donc là, elle n'est pas là. C'est qu'elle est là quand on voit sa voiture. D'accord. Ouais. Donc si sa voiture n'est pas là, c'est qu'elle n'est sûrement pas là. Voilà. Est, bon, eh bien tant mieux. Voilà. Ok. Je vous remercie, monsieur, pour les infos. Ludovic n'est qu'à moitié rassuré. La vieille dame serait sortie avec son véhicule. Mais alors, comment s'est déclenchée l'alarme? Les pompiers contactent la société de sécurité. Allô? Bonjour madame, c'est les pompiers. Ah bonjour, oui. Et nous on a fait une reconnaissance dans la maison et à l'extérieur, la dame elle est pas là. Et apparemment il n'y a même pas sa voiture, donc elle serait même pas à son domicile. Donc, elle n'est pas chez elle? Non, elle n'est pas du tout chez elle, on l'a pas trouvée du moins. Alors elle a dû déclencher l'alarme sans s'en rendre compte et elle est partie. D'accord. Bredouille. Ludovic et ses 6 collègues mobilisés s'apprêtent à quitter les lieux sans savoir où se trouve la vieille dame. Quand surprise. Oh super! Bertrand, elle est là, la dame! La septuagénaire est en train de rentrer chez elle en voiture. Vous êtes madame? Bon, vous avez dû déclencher votre alarme en partant de chez vous. On était obligé de casser une fenêtre pour rentrer voir si vous étiez pas en souci. Ah bon? Ouais. Donc voilà, on vient de vous laisser un petit mot. C'est peut-être en montant votre manteau, ouais. Je suis désolé. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous alliez bien. Oui, oui, oui. Voilà. Bah oui, j'étais chez le garagiste. C'était pour faire changer mes pneus. Je suis désolé. Allez, on vous fait de la place, puis vous allez pouvoir rentrer chez vous. Ok ? C'est gentil. Allez, bonne journée, madame. Au revoir. Bonne journée, au revoir. La vieille dame aurait déclenché son alarme par inadvertance. Une erreur d'inattention qui a tout de même mobilisé 2 équipages complets pendant plus d'une heure. C'est sûr qu'arriver à 7 sapeurs-pompiers pour ne rien faire, on peut dire que ça fait beaucoup, mais pendant tout le trajet, on se fait des scénarios catastrophes, on se prépare, on se conditionne au pire. Et lorsqu'on s'aperçoit qu'il n'y a rien du tout, la pression elle redescend et on est soulagé. On est bien, ça va mieux. Même si vous êtes déplacé pour rien au final? Oui, bah ça, après c'est le travail, on se déplace pour rien, ça arrive assez régulièrement, mais on préfère que ça se passe comme ça. Ludovic reste philosophe. Il sait qu'avec plus de 15 000 interventions par an, d'autres défis attendent les pompiers de Dijon.